Yo tout le monde, c'est Fintech sur toute nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Mais comme d'habitude, t'es nouveau ou nouvelle, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification. Ta vidéo c'est à lâcher un petit pouce bleu et bien sûr, le plus important, c'est de tous rentrer mon code créateur Fintech bleu dans la boutique Fortnite. Cela me fera vraiment super plaisir et bien sûr, bonne vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, si toi tu aimes remporter un cadeau dans la boutique de ton choix, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification, tu mets le code créateur FintechBE dans la boutique Fortnite et bien sûr tu commentes ton pseudo Epic Games dans l'espace commentaire. Je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo. Bien, salut tout le monde, c'est Fintech, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour un peu, je suis vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre à miniature de la vidéo, aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale pour une toute nouvelle vidéo. Sur Fortnite, comme d'habitude les potes, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube avec les petites cloches de notification. Et si la vidéo te plaît, je t'invite aussi à lâcher un petit pouce bleu. Et comme d'habitude, je t'invite à te rendre dans la boutique d'objets et de faire la case soutenant un créateur et de tous rentrer le code créateur FintechBE dans la boutique Fortnite. Cela me fera vraiment super plaisir. Merci à toutes les personnes qui penseront à faire cela dans la boutique Fortnite. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, il y a le tout nouveau pack de Terminator et de Sarah Connor qui est venu de sortir dans la boutique Fortnite. Tout simplement, on va voir la vidéo. Ok. Ah ouais, carrément. Ah oui, mais je pense pour les gens qui ont vu tous les Terminators, vous savez c'est quoi les flammes. Quand le T-800 il brûle dans les flammes, mais bon, on va pas trop parler de films aujourd'hui. Simplement aujourd'hui, c'est un tout nouveau glitch sur Fortnite Battle Royale pour obtenir le tout nouveau pack de Sarah Connor. Voilà, le pack de guerre du futur pour le prix de 2800 V-Bucks comme d'habitude. Comme d'habitude les potes, je le redis comme au début de vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube 4 créateurs FintechBE dans la boutique avant de commencer. Là ça me fait juste super plaisir, désolé si je le répète beaucoup de fois, mais c'est vraiment super important. À ce moment, pour commencer au glitch, ce que vous allez faire, vous allez vous rendre dans la boutique d'objets, vous allez faire soutenir un créateur et vous allez rentrer le code créateur FintechBE dans la boutique. Ce qu'il vous reste à faire après, c'est juste de repartir dans vos paramètres. Dans la petite tête ici, là vous allez faire créer deux pignons, vous allez vous mettre sur nom, vous allez appliquer, faire le bouton retour. Là, vous allez cliquer sur la boutique de budget, vous allez cliquer sur le pack de guerre du futur, voilà, le pack de Terminator. Là, vous allez faire obtenir des V-Bucks. Vous allez cliquer sur l'achat de 20€ de V-Bucks, voilà, pour 2100 V-Bucks, vous allez faire le bouton acheter. Et il y aura le moyen de paiement de votre plateforme, en fait, tout simplement, là, c'est la même chose que dans une précédente vidéo. Ce qu'il vous reste à faire après ici, c'est de faire aperçu le style et de cliquer sur les deux skins, simplement de Sarah Connor. Là, vous allez faire la même chose pour le Terminator. Hop. Aperçu de style, hop, 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 hop. Et simplement, ce qu'il vous reste à faire après, c'est de cliquer sur tous les items du pack. Voilà, comme dans la vidéo. On clique, on clique, on clique. Et après, ce qu'il vous reste à faire après, c'est juste de repartir dans le lobby, de retourner dans vos paramètres et de changer votre langue en anglais. C'est vraiment super simple. Simplement, anglais, anglais. Anglais, voilà, anglais. Appliquer, confirme, confirme. Là, vous allez faire watch vidéo. Il y aura le petit bouton ici, vous allez faire ça. Là, vous allez faire joint hunt. Il y a un petit chargement. Là, vous allez faire preview style. Vous allez cliquer sur les deux styles de Sarah Connor. Style de résistance. Là, vous allez faire jet V-Bucks. Vous allez cliquer sur l'achat de 2800 V-Bucks. Là, vous allez faire le bouton pure chasse. Vous attendez le moyen de paiement dans votre plateforme. Là, vous allez retourner au lobby au play. Voilà, tout simplement. Là, vous allez faire retourner reporting and feedback. Vous allez cliquer dessus. Report à bug. Descend tout en bas. Shop locker en lobby. Rewards and error apparating, simplement les objets que j'ai achetés et que j'ai gagnés n'apparaissent pas. Là, vous allez faire retax screenshot. Vous allez attendre un peu. Et là, vous allez juste à faire continuer et accepter. Là, vous allez attendre le petit sending report. Là, vous allez faire le bouton close. Là, vous allez faire simplement choisir un select game mode et de cliquer sur le mode sauver le monde. Là, vous allez attendre le connecting. Si vous n'avez pas le mode sauver le monde, je pense que vous devez quitter, mais voilà, c'est vraiment super important d'avoir le mode sauver le monde. Vous allez retourner dans le store. Là, vous allez faire le bouton purchase de 2800 V-Bucks. Ce qu'il vous reste à faire après, c'est de partir ici dans Reporting Player Feedback et de refaire la même chose. Shop Locker, Item, Or V-Bucks, hop, accepter. Sending Report, Nouveau Report, et simplement là, vous allez faire Close, bah voilà, Back. Là, vous allez faire ça les game mode, vous allez attendre le connecting encore une fois. Retourner dans le mode Battle Royale, d'attendre la connexion. Et de retourner dans le item shop, de cliquer sur le pack de Sarah Connor. Et de cliquer plusieurs fois sur le skin.
Ce qu'il vous reste à faire après, c'est de retourner au lobby, d'aller sur la petite barre et d'écrire Jetpack Terminator. Tout simplement, vous allez écrire Jetpack Terminator, c'est vraiment super important. For free. Là, vous allez bien écrire tout ça. Et là, vous allez tout simplement écrire la valeur du pack, 2800 V-Bucks. Là, vous allez faire Send. Il y aura tout simplement un petit message, you send adventure link to send un message. Et il y aura tout simplement votre message qui va apparaître. Ce qu'il vous reste à faire après, c'est de retourner dans le item shop, support à créateur, de rentrer le code créateur FintechSBE et de recliquer sur le pack. Tout simplement ici, là, en bas, ça doit écrire de Upirchas help support FintechSBE. Voilà, c'est super important qu'il y ait bien écrit ça. Là, vous allez faire Pro Your Style, de cliquer encore une fois sur le deskin de Sarah Connor et tout simplement de faire back, de retourner. Il y a encore une fois votre message qui devra apparaître. De faire le mode Sauver le Monde, hein, de choisir le mode de jeu et de recliquer sur le mode Sauver le Monde, c'est vraiment super important. Là, vous allez attendre la connecting, vous allez retourner dans le store, dans l'achat de 2100 V-Bucks pour chasse. Là, ce qu'il vous reste à faire après, c'est juste de select Game Mode et de cliquer sur le mode Battle Royale, simplement. Et simplement là, vous allez attendre la connecting, c'est vraiment super important. Et simplement, les potes, vous allez simplement d'obtenir le tout nouveau pack de Terminator gratuitement. C'est pour ça, c'est vraiment un glitch de malade. Voilà, les potes, n'hésitez surtout pas à vous abonner si la vidéo vous plaît. Si le glitch ne marche plus de votre côté, ça veut dire qu'il a sûrement été patché par Epic Games, malheureusement. Voilà, c'est pour ça que je vous invite à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos de glitch sur Fortnite de Battle Royale. Et bien sûr, comme d'habitude, le code créateur FintechSBE dans la boutique. C'était FinTech, allez, ciao tout le monde.